Bonjour les chéris de partout, ici au Portugal ou en Europe, partout. Est-ce qu'il est utile que je dise le temps qu'il fait? Pense que tu l'entends, tu le vois? Oh oui, Cassie. Cassie n'est pas contente du tout, du tout. Et non, elle a voulu sortir et c'était infernal. Et je vais te montrer tout de suite. Cassie, tu veux retenter le coup? Allez, on tente encore le coup. Il y a quelques gouttes d'eau qui tombent du haut de la porte, bien sûr. Donc ça lui tombe dessus. Donc bien sûr, elle ne veut pas y aller. Qu'est-ce que tu fais, Cassie? Ah, elle tente quand même le coup. Eh ben, tu es très courageuse, Cassie. À tout à l'heure, moi je reste dedans. Voilà, un vrai temps de pluie. Bon, ben aujourd'hui, je vais vraiment m'occuper du plafond. C'est bien d'avoir des activités comme ça parce que ça occupe quand il pleut, quand il fait pas beau et tout. C'est parfait. Voilà un chat tout mouillé qui vient de rentrer de dehors. Mais affamé. Je ne vais pas trop la caresser parce qu'elle est trempée. Bon, finalement, je vais pas attaquer tout de suite le plafond. Décidément, il est en retard. Ben, de toute façon, je pensais le faire cet après-midi. Christa vient de m'envoyer un SMS. Elle va venir boire le café ici. Donc, j'ai préparé le fauteuil. Regarde. Donc, j'ai retourné le fauteuil pour que Christa puisse s'asseoir correctement. Je vais finir de siroter tranquillement mon thé. Et elle va braver la pluie. Je ne pensais pas qu'elle braverait la pluie pour venir. La pluie et la boue quand même. Parce que ça pleut quand même pas mal. Elle va venir avec son café. Bonjour. Ça y est, bonjour. Le gaz. T'as plus de gaz, ça y est. Allez, viens ma chérie, viens, on va faire chauffer. J'ai même... ça. Attends. Rentre vite au chaud et au sec. Attends. J'ai même amené mes pantoufles. Pour ne pas amener des saletés chez toi. Parce qu'avec ces chaussures-là, bien évidemment, sont hyper mouillées. Et oh. Sales. Et Cassie vient juste de rentrer aussi. Elle est trempée comme une touche. Domino, il est sur le table de bord. Je l'ai mis sans plaid parce qu'il avait hyper froid. À force de... Il n'a pas plu pendant je sais pas combien de semaines. Attends, et ça fait combien de temps qu'on attend la fin de ta bouteille et de gaz? Et ça fait combien de temps qu'on attend la fin de ma bouteille? Eh bien évidemment, il faut que je tombe en panne. Le premier jour de pluie, depuis je sais pas combien de temps. Alors, on va falloir attendre que ça se calme un peu parce que... Oh oui, puis on va prendre ma bouteille de GPL, on va te la mettre. D'abord, faire chauffer ton café. Je suis désespérée. Allez ma chérie, déshabille-toi, pas trop hein. Non, attends, bon. Elle me demande de faire déjà, t'as les boutons au chaud, c'est parfait. Ouais, j'ai mis les... Au chaud et au sec surtout. J'ai mis les jambières. Mais sur le fauteuil conducteur, l'anorak. T'as vu, j'ai préparé ton fauteuil pour que tu sois bien assise. J'ai été surprise quand même que tu viennes. Que pourquoi tu braves la pluie, la boue. Ah ouais, mais même Domino, il n'a pas voulu sortir. Il est roulé en boule sur le table de bord et comme il tremblotait, je m'y sens plaide par-dessus. Je crois qu'il va pas Cassie bouger. Cassie, elle a voulu sortir, mais elle s'est cachée sous Mais Domino, il va faire pareil. Hein. Si je le veux sortir tout à l'heure, il faut que je les mette sans son manteau de pluie, sinon il ne va pas sortir. Bon, allez. Allez. Attends. Allez, je vais aller faire le café. Pour la miss, je vais lui sortir aussi une grande tasse, un grand mug surtout. Ça y est, je reviens de dehors. On a changé la bouteille de gaz de Christa. Je vais passer ma bouteille de GPL qui est pleine. En attendant qu'elle aille du côté de Faro
Comme ça, elle fera le gaz et la finalité de sa réparation du turbo. Donc là, ça y est, on a attendu l'accalmie. Il y a eu une petite accalmie de la pluie. Donc ça y est, on a fait les échanges. Moi, j'ai remis un peu d'eau dans Coquelicot. Ah, c'est ça, notre vie. Voyez, on vous parle de tout. Hein. Bon, maintenant, je vais me sécher un peu les cheveux quand même. J'ai l'habitude de les mouiller le matin, mais là, je vais les sécher un peu. Parce que j'ai pas... Voilà, il faut penser au coupe-vent, mais il faut penser aussi à protéger la tête. Hein. Si tu as quelque chose pour protéger la tête, protéger de la pluie, c'est indispensable aussi. Une super nouvelle, je viens enfin de finir mon plafond. J'ai eu du mal parce qu'à cause des reins, hein, franchement, pas facile, j'en avais ras-le-bol. Mais je ne voulais pas attaquer d'autres travaux de décoration tant que j'avais pas fini ce plafond. Je te montre tout de suite, je vais te faire voir d'autres travaux de décoration que maintenant je vais faire parce que le plafond est fini. Ça y est, voilà, enfin il est fini. Pardon. Donc là maintenant, je vais bien nettoyer le lanterneau parce que l'inconvénient de la chaleur, je le dis, je le redis, ce sont les petits caca de mouches. Voilà, c'est pas super. Ça me plaît pas. Donc maintenant, c'est fini. Oh, super. Et toi, je viens juste de finir parce que j'ai tout laissé encore en plan. Ah, toi, je te fais voir ça parce que j'écoute de la musique, mais bien sûr, j'ai arrêté la musique puisque même si je ne mets pas beaucoup, je vais me faire taper sur les doigts par YouTube. Je sais plus qui me demandait, je crois que c'est Cécile. Et voilà, j'écoute la musique assez forte d'ailleurs. M'en fiche parce qu'il n'y a personne. C'est pas Petra et Patrick que je vais gêner à côté. Mon petit bazar de colle. Alors je me sers de tout. Hein. Ça, c'est une boîte de margarine qu'on m'a donnée. Donc je demande à tout le monde de me récupérer les boîtes, les couvercles, etc. pour bricoler. Comme ça, je les jette après, je suis tranquille. Et je vais te faire voir un autre travail de décoration que je veux faire, c'est ce mur. Voilà. Ce mur, il me travaille un peu parce qu'il est assez sombre. Mais oui, ma Cassie, tu vois, j'explique. J'explique à nos chéries. Elle vient juste de rentrer parce que la porte est grande ouverte. Aujourd'hui, il fait très beau. Elle fait des va-et-vient. Voilà, moi, j'aime bien laisser la porte ouverte. Cassie, elle aime bien aussi. Hein, ma Cassie, t'aimes bien? Ouf! Bon, elle a famille. Donc, je vais habiller tout ce mur-là que je trouve beaucoup trop sombre. Je te ferai voir. Je vais mettre de la tapisserie blanche et après, par-dessus, je vais coller quelques petites décos. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, là, c'est moi aussi qui ai mis en rouge de partout la cuisine. Là, c'est un gros bidon de colle vinylique. Je suis vraiment accro de la colle vinylique. Et là, il y a quelque chose qui est en sursis. Ça aussi, les petits miroirs, c'est moi qui les ai collés ici. Celui-là, il y était. Et celui-là, non. Ceux-là, pardon. Donc ça, c'est moi qui les ai mis. Ensuite, alors, dans la salle de bain, c'est moi qui ai collé les stickers, qui ai fait tout ça, là. Qui fait aussi ce support pour bijoux, boucles d'oreilles. Voilà, moi j'ai besoin de couleurs. Hein. Ces rangements là, ils sont super pratiques. Bon, maintenant c'est à refaire. Je les rachèterai ou je les ferai moi-même. Mais en tout cas, super pratique. Pas très lourd, impeccable. Donc, qu'est-ce qui est en sursis? C'est ça. C'est cette porte. Voilà. Donc, elle s'ouvre, tu vois, d'une façon pas du tout pratique. Je ne sais pas à quoi ils réfléchissent quand ils font les camping-cars. Enfin, bref. Et là, tu vois, j'ai des petites protections. Comme j'ai ici. Là, j'avais déjà enlevé la porte. Pour ceux qui nous suivent depuis le début de notre vie en camping-car, tu vois, il y a encore les petits trous, je m'en fous. C'est moi qui ai enlevé la porte d'ici qui m'agaçait. Mais vraiment, ça m'agaçait. Ah, bah, tiens, en même temps, pour ceux qui se posent des questions, voilà mon stock d'huile essentielle. Et les médicaments que j'ai, du paracétamol. Voilà, c'est tout. Vous êtes au cœur des choses. Et des petites pipettes pour Cassie. Terminé. Donc, cette porte, je disais, est en sursis. Mais là, je crois qu'elle est plus qu'en sursis. Elle est même condamnée à sauter. Parce que j'en ai ras-le-bol. Je ne mets pas grand-chose dedans, dans ce rangement, pourtant qu'elle est grand. À cause de cette porte. Qui me...
Voilà, je vais sûrement l'enlever. Une autre chose pour laquelle j'étais très contente d'avoir eu cette idée, c'est de... Bon, voilà, il y a beaucoup de... voilà, je suis avec le caméscope. Donc, Denis 45, si tu me dis que je suis rouge, violette, etc., c'est à cause du caméscope. J'étais contente d'avoir cette idée parce que souvent dans les camping-cars, ils mettent beaucoup, beaucoup de miroirs. Et là, c'est un petit rangement avant tous. Bien sûr, j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle et depuis, j'ai les mains pleines de colle encore. Je ne me suis même pas lavée. J'étais tellement contente de finir mon plafond. Donc, pardon, je reprends. J'ai mis de la colle, il y a les ventouses et ça tient depuis maintenant presque un an. Ça n'a pas bougé pour les petites choses du quotidien. Donc, voilà où j'en suis des travaux, des aménagements. Et là, le mur va être fait très, très rapidement. Oh oui, alors. J'ai pas envie de traîner à le faire. Mais le but, quand même, voilà, je viens de poser le dernier morceau. C'était de vous faire voir vite, vite, vite le plafond. Et maintenant, je vais mettre une couche de colle vinylique par-dessus pour que ça vernisse et ça protège un peu la tapisserie. Et c'est ce que j'avais fait pour le reste avec les tiroirs. Yes! Première étape finie! Mur tout blanc! À suivre parce que... Je vais continuer là maintenant. Ah, j'ai tellement bien parti, je suis super contente. J'ai mis plusieurs jours, très longue journée à faire le plafond. Là, en une journée, mon mur va être fait. Ah, ça apporte vraiment la luminosité. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et j'en apportais encore plus. Ça y est, j'ai fini. Je suis super contente. Moi, ça me plaît. Donc, tout est parfait. Attends, je te montre. Attends, voilà. J'ai collé au hasard des stickers azuleros. Pour mettre un peu de gaieté. Alors, bien sûr, là, j'étais obligée de couper puisque... Fallait la largeur. On voit encore bien le joint parce que c'est pas sec. Voilà. Je suis super contente. Regarde de loin, ça pète. Hein. Ça pète, ça fait chouette. Hein. Il y avait besoin d'un peu d'éclairage dans ce coin-là. Super. Avec la cuisine en face en blanc. En blanc. Oui, il y a du blanc et du rouge maintenant. J'adore. Le prochain gros travail, j'ai acheté une planche pour faire une porte ici, mais l'ouverture que j'ai achetée me plaît pas trop, que je déteste ces rideaux coulissants. On verra, je ferai peut-être un de ces jours, mais pour l'instant je me sens pas. En tout cas, j'ai toujours dans la soute la planche qui va aller ici, petite planche très légère pour remplacer cette cochonnerie là que je déteste. Bon, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Il y a mon invité principal qui vient d'arriver pour voir maintenant que c'est fini. Moi aussi, je finis. Ah, t'as fini ta jupe culotte. Fini ma jupe culotte. Voilà. Voilà, elle est très jolie. Ouais. Très, très sympa. Ouais, maintenant, il manque repassage. Voilà. Allez, au revoir les chéris. Ciao, ciao.